salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Enshrouded, toujours en multi et toujours accompagné de Tonch. Bonsoir. Comment ça va ? Bien, ça va, ça va. Je suis en train de checker les différentes stations de fabrication. Bah écoute, moi je range mes poches, voilà. Tu fais bien. On range trop peu souvent ses poches. C'est ça. Tiens, on a que 8 étincelles. Hein. Il va falloir qu'on s'y mette. Effectivement. Parce que pour le prochain niveau, là, alors oui. Il nous manque 5 os fossilisés. Bon, ça va vite, il faut aller miner. Oui, effectivement. On sait où c'est. Il nous manque 9 étincelles. Oui. Et 5 roibos. Mais ça, t'en avais planté. Attends. Est-ce que j'en avais planté ou est-ce que je les avais lancés ? Non, j'avais lancé les semis. Ah, t'avais lancé les semis, d'accord. Il fallait les planter. Voilà, on a du lin et on a de l'indigo. Ouais. Et il va nous falloir après des glandes d'ammoniac. Et ça, je sais plus où est-ce qu'on a en chopé des glandes d'ammoniac. C'était les arbres oranges, là, les espèces de champi-arbres oranges. Ouais. C'était l'été dernier. Parce que... Pour moi, c'était entre la capitale et la frontière du champ du fauve. Tu sais, le truc avec l'épée et la flèche. Le pont des anciens ? Non, vraiment, quand tu prends la maison qui est au niveau de la capitale, ouais. Tu descends sud-ouest. 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 Ah oui, d'accord. Frontière du champ du chaud. Je pense que c'était entre ces deux-là. Ah ouais ? Je peux me planter, mais ça, pour moi, c'était soit dans ce coin-là, soit au nord-ouest complet. Au niveau du camp de la chasseresse et tout ça. Là. L'oreille du bois rose ? Pas abandonné. Ouais, peut-être. Bah écoute, on va aller... On va aller voir ça, parce qu'il nous en faut 20 de toute façon, donc déjà... Écoute, moi je me TP à la capitale, je pars au sud-ouest. Bah écoute, je fais la même. Soit. Et de toute façon, il nous en faut une vingtaine. Allons péter du mob. Donc tu dirais par là. Ouais. Ok. Je sais pas pourquoi moi je les vois pas là, mais nous sommes embrumés. Nous ne sommes plus embrumés. C'est magnifique celle-là. Deux. J'ai sorti le. Oh oui, bah t'as fait la même. Ouais. C'était une splendide glissade. Moi j'aime bien quand ça fait ça. Par contre, ça doit faire mal au ventre, hein. Au bout d'un moment. Ah, je vous fais des dégâts sur la durée avec mon prout magique. Hey, j'ai pas mangé. Moi non plus. Est-ce qu'on a besoin de manger pour tabasser des nazes ? Non. Aïe ! You. Le petit saligo. Alors. Alors, on essaye de trouver. De toute façon, une forêt. Une plante. Une fleur. Ça, il faut qu'on ramasse les sacs de brume. Tout à fait. C'est très utile. Ça nous sera très utile dans tous les cas. Aïe. Elle a fait un dégât d'explosion et je l'ai pris en pleine poire. C'est moche. C'est vrai qu'il faudrait peut-être ramasser les spores de brume, mais bon. J'en ramasse un peu quand j'en croise, mais pas toujours. C'est facile à trouver, donc il suffit de tabasser des nazes. Nous voici dans un début de forêt.
C'était de la forêt embrumée, hein, il me semble. Oui, c'était dans la brume, mais... Je les voyais pas si loin dans... Je sais pas. Ah, ce qui est bien, c'est qu'il y a des zones sans brume dans cette forêt embrumée. Tout à fait. On est d'accord que si j'ouvre la map, voilà, on n'est absolument pas là où je pensais qu'on allait. Mais c'est bien. Ah oui, d'accord. Mais pour moi, c'était par là. Moi, je suis quasiment sûr que c'est par ici. Pour moi, c'est au niveau du pont... du pont cassé, mais... J'en suis persuadé. C'est bien, Tonche. Travaille pour tuer ces baïtes. Moi, je suis inspecteur des travaux finis. Ah, t'as loupé un cadavre, inspecteur. Alors, oui, bah j'inspecte pas bien, y'a le... Même ce travail-là, je sais pas le faire. Quand même des trucs un peu dégueulasses, hein. Des champignons volants. Alors, ici. Et il me semble qu'ils étaient un peu jaunâtres, hein. Ceux qui étaient... Ouais, hein. Parce qu'il y a les tout verts, ça, on sait, qui donnent des trucs de poison, là. Ouais, mais c'était pas intéressant. Ben, c'est pas ce qu'il nous faut, quoi. Donc je combat pendant que je récolte des champignons. Je suis parti à la cueillette aux champignons. J'arrive. Ah ouais, mais moi, je viens d'atteindre le niveau 20. C'est où est-ce qu'on va notre niveau? Ah bah je le suis déjà, moi. Ah, hein. Fallait bien que je rattrape mon niveau. Hein. C'est ça. Mais je crois qu'en plus, quand tu les tues, je gagne quand même l'XP. Alors... Oui, si t'es à côté, oui. Ça m'étonnerait que ce soit là-dedans, hein. Oui, non, c'est pas là-dedans. Par contre, il y a un petit coffre. Avec une grande potion de soin et des flèches en cuivre. Mais je croyais que c'était un petit coffre, quand même, il peut y avoir quelque chose de grand dans un petit coffre. C'est bizarre ce que tu dis. Tout est relatif, mon ami. Albert nous l'avait déjà démontré. Le cinquième mousquetaire ? Ah. Weinstein. Le cinquième, évidemment. Évidemment. J'ai eu un parchemin de prière de flamme. Très bien. Avec son tronc blanc. Mais oui, à spaghetti. Il y a un chrono de brume là. Ouais, je l'ai vu aussi. Bon, donc a priori, on essaie de remonter peut-être au nord du coup au pont des anciens, c'est ça? Bah ouais, moi je voudrais bien que ce soit là-bas. Allez, on va tenter le coup. Ah, je bug. Très bien. J'aime faire bugger les jeux. On rappelle, hein, Early Access, tout ça. Hein. C'est quoi ça? C'est de l'ambre ou c'est pas de l'ambre? Non, je crois que c'est de l'argile. Hein. C'est de la pierre. C'est de l'ambre. C'est de l'ambre? Ouais. Oh, ouf, j'ai pris une claque. Ouais, c'est beaucoup de pierre par contre. C'est très chiant ce truc de... C'est quand même vachement chiant hein, des fois. Pour miner. Un cœur de brume, ça par contre il faut les ramasser. Oh, c'est un boss. Toujours bon à prendre. Aïe. Pas un boss.
Il fait mal mais il a pas de vie quoi. On a oublié de le prévenir qu'il devait être costaud ou pas? Je pense ouais. J'ai pris son cœur de brume. Ouais. Ils étaient si faibles les mobs ici. Après tu vas me dire on a bien step up depuis qu'on est passé ici. Tiens on est plus embrumé ici. Oh. Et ils sont combien? Je sais pas, moi je suis au coffre. Oh! J'arrive! Je suis là. Excuse-moi, j'étais parti faire ton aide. Parti faire des courses. Mais ça va, tu t'es bien débrouillé. Tout à fait. Aucun problème. Ah c'était pas là alors hein. Regarde elle est revenue aussi. Et pourtant il me dit bien que qu'on l'a faite. Ouais puis elle était chiante à faire celle-là. Mais il fallait arriver de l'autre côté déjà. Par contre ce que je voudrais bien savoir c'est si on la tue est-ce qu'on récupère le point de compétence. Attends que je sois à côté. Hop. Pour qu'on voit ça. Vas-y. Non. On récupère pas le point de compétence. Ouf. T'as failli faire une connerie toi. J'ai eu peur, ouais, je t'avoue. Donc pourquoi elles reviennent alors si c'est pas pour nous redonner un point de compétence? Bah pour moi ça sent le bug de mise à jour. Ouais, le bug de mise à jour. Peut-être, ouais. Certainement. Fais pas la même connerie que moi, ça... Ça fait peur ou t'es mort? Non, ça fait peur. Deux fois. J'ai eu chaud mes fesses, là. Donc, c'était pas ici. Et la brume par là est encore rouge. Mmh. On va ressortir de la brume et aller voir peut-être complètement nord-ouest, là. Nord-ouest? Ouais. Les bois envoûtés alors? Ouais. Moi, je me téléporte là-bas. Ça a déjà repop ici, c'est impressionnant. Hein. De. Là d'où on vient exactement. Là. Ouais, mais ça, à mon avis, ils vont fixer ça, hein, le délai de repop. Moi, déjà, je suis pas forcément fan des repop, mais. Bah, quand t'as un jeu de survie comme ça, à un moment, t'es obligé d'en remettre quand même, parce que sinon. Oui, non, mais. Après là ça va, c'est pas non plus, t'as pas non plus 72 milliards de mecs à tuer, donc en c'est vrai ça va. Et puis en vrai, une fois que t'as step up une ou deux fois... C'est ça, en fait moi c'est surtout que j'ai un... Là en ce moment c'est une série que je fais, qui est Dragon Dogma 1. J'ai vu passer ça, ouais. Voilà. Et je ne ferai pas le 2, voilà, j'ai pris la décision de ne pas le faire. Parce qu'en fait, ils ont gardé le même système que le 1, où littéralement, tous les 5 mètres, t'as des blocs de mobs. Et tu vas tuer 5 gobelins,
Tu vas faire 5 mètres, tu vas retuer 5 gobelins. Tu vas refaire 5 mètres, tu vas tuer 5 loups. Tu vas faire 5 mètres, tu vas tuer 3 cochons. Et c'est vite très très chiant. Et la nuit, t'en as deux fois plus. Voilà. Fantastique. Et des fois, au détour d'un arbre, tu vois, tu te balades dans la forêt, eh bien, tu tombes sur une embuscade de gobelins avec des dragons. Parce que pourquoi pas? Avec des dragons, d'accord. Voilà. Et tu te dis que ça fait 7 heures que tu joues au jeu et que t'as pas du tout le niveau pour affronter des dragons. Oui, en même temps, il faut bien que le jeu mérite son nom. Oui, non, mais pas contre les foot dès le début du jeu, quoi. Oui, voilà. Donc je le ferai pas parce que s'il a exactement le... En fait, il a tout ce que je critique du 1, donc forcément si je le critique, je vais pas le faire. Au début. C'est logique. Ça se tient. Mais j'ai regardé un peu de contenu dessus, je vais en regarder d'autres, du contenu. Un peu plus... qui monte un peu plus loin, j'ai regardé 2 heures. Et je vais peut-être monter à 3-4 heures... de regardage de contenu pour voir, mais au bout de 2 heures, tu te fais quand même assez vite ton idée sur du live. Pour le coup, c'était un live. Ah oui, j'étais déjà tombé là-dessus la dernière fois. Le fameux cimetière avec les squelettes qui doutent du sel. Ah oui. Pratique, d'ailleurs. C'est pas faux. C'est vite d'aller dans les mines de sel. Tout à fait. Mines embrumées également, mais dans lesquelles on récupère moins vite. En tout cas avec la pioche en pierre. Tiens, j'ai trouvé les catacombes. GG. Attends, je vais faire le tour, je vais venir avec toi. Et est-ce qu'on n'irait pas se faire ces catacombes? Pourquoi pas? Alors, on devait chercher de l'ammoniac, mais on va aller faire des catacombes. Parce qu'en fait, c'est comme ça. Moi, j'étais venu à pied pour vérifier qu'effectivement, on était bien. Les arbres se trouvaient bien dans les zones embrumées. Et là, je viens de tomber sur un ver. Hein. Mais les vers, ils sont pas dans les zones embrumées, je crois. C'est ça. Les jaunes, oui, mais pas les verts. Comme une histoire de racisme, ça. Elle est. Non, c'est un ver aussi. J'allais dire, j'en vois un qui se bat en bas avec des cochons et des squelettes, mais c'est un ver. Et donc les vers, ils donnent des sacs à poison. C'est ça, et ça nous intéresse pas forcément. Ah, on peut monter? Comment t'es monté? Par là. J'avais jamais vu ce fameux cimetière d'ailleurs. Et sais-tu que c'est la nuit? À skip. Putain, j'avais oublié à quel point c'est la nuit. Ah oui, dans ce jeu, c'est la nuit. Nous sommes attaqués. Réellement. Je ne sais pas par quoi, il y a eu la musique de combat qui s'est lancée. Et en fait, apparemment, il y a une entrée de catacombe par la, de l'autre côté de cette c'est montagne. C'est un cochon. Une petite zone embrumée. Y a rien là-dedans? Non. Je vois rien. Je suis en train de faire une connerie. Ah non, c'est bon. Donc les catacombes, tu disais? Bah apparemment, il faut faire le tour de cette montagne. D'accord. Il y a des catacombes. Enfin, moi, il m'indique que l'entrée est à droite. Parce que moi, je t'en vois pas hein, sur ma map. Mais en fait, je l'ai eu parce que j'ai longé la montagne de l'autre côté. D'accord, attends, je te suis. Pars pas sans moi, il fait noir, je vois rien. T'as peur? Regarde, suis la lumière. Non. Je suis là. Écoute, apparemment,
Chercher des indices sur Lorraine Crime. Oui, non. Il me dit qu'il y a une chapelle de la flamme ici aussi. Elle est juste en dessous, c'est ça? J'imagine. Ah. Ouais, elle est en dessous. Ouais, je veux pas c'est descendre. Ah, c'est les fleurs. Il y a un machin vert là. T'as vu, je suis vachement intimidant hein, pour les machins verts. Ouais, t'es trop fort. Ouais, c'est pour ça doit ça. Être ça. C'est le style. Et donc, il me dit que les catacombes, elles seraient là. Peut-être ah, au-dessus. Je crois que j'ai trouvé une chapelle. Ah oui. Et donc, les catacombes seraient là. D'après ma map. Donc, ça doit certainement être au-dessus. T'es allé Deux chercher les... étincelles supplémentaires. Mais je ne vois toujours pas tes catacombes. Bah, je me demande si c'est pas au-dessus en fait. Tu crois? Bah écoute, ouais. Hein. Hop là. J'ai vu cet atterrissage, quel talent. Bon. Et donc cet ammoniaque. Parce qu'à là-bas. C'est ça qu'on cherchait. Hop. Trouvé, je crois. Ah non, c'est autre chose. Complètement autre chose. Mais peut-être intéressant, hein. C'est du lourd. Du lourd? J'arrive. Hop là. Les bêtes sous la terre, je portais des matériaux de construction quand j'ai senti des gravats sous mes pieds. Surpris, j'ai chuté sous la charge lourde et j'ai roulé au sol. J'ai dû me cogner la tête contre un caillou. Lorsque je me suis réveillé, j'ai senti un picotement dans la main. Quelque chose qui rampait puis qui m'a piqué. Une bestiole a plongé ses crocs dans ma main. Je l'ai fait tomber complètement effrayé. Je l'ai écrasé mais la bête a filé sous terre. Oh! Ah bah, les fameuses catacombes. Bah dis donc. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ah merde, je suis tombé dans un trou. Il y a du monde là-haut, je crois. Il y a ah des non, éclairs il y a juste aussi. Des éclairs. Il y a du monde aussi. Sinon, on pouvait les attirer dans les éclairs. Hein. Non? Et comment prouver ma supériorité? Je suis niveau 21. What? De quoi? D'accord. De quoi? Niveau 21, le monsieur, il a décidé. Ouais, j'ai décidé. Oh! Un bouton. Oh. Il y a un chrono ici. Ah, c'était la porte qu'il fallait ouvrir. Ah! Ah oui, d'accord, ok. Qu'est-ce que ça fait? Il y avait un bouton avec une pression. Un bouton pression? Un bouton pression, oui. C'est quand même vachement pratique les boutons pression. T'as vu qu'il y en avait un autre ici? Attends, je prends l'arc. Où ça? Oh! Bonjour monsieur dame. De quoi? Un autre où? Ils sont sortis de terre. Là, juste ici, là. Oui, j'ai tiré dessus là. D'accord. C'était pour finir d'ouvrir cette porte. Il est pas allumé. Bah oui, quand c'est pas allumé, c'est qu'on a tiré dessus. Attention!
Attention, il y a les tonneaux. Disais-je. Je pensais pas que ça allait exploser si fort. Oh! Saloperie. Saloperie. Je le finis hein, avant. Tu m'excuseras. Ah oui, tu fais vraiment pas de dégâts avec tes baguettes. Tu fais combien avec ta baguette sans indiscrétion? 24. Ah oui. 26 même. Quand j'ai de la chance. Et je fais 140. Comme quoi le build intelligence ça marche hein. Pour ah la baguette. Oui, oui. Ça fait une légère différence hein. Reviens parmi nous. Comme Jésus. Wow. Pour ceux qui auront la ref. Attention. Attention. C'est calmé? Ça a l'air. Alors. Mais il se fout de mec. Alléluia. J'ai pris le revers qui t'était destiné. Alors que t'as juste à pas rester derrière moi. C'est ça. Ah là là là, ça commence bien. Il y en a un en bas hein, qui balance des grenades. Reste à distance. Derrière toi. Bien vu. En fait, il est passé à côté de moi. Il m'a complètement ignoré. C'est le principe du build de tank. C'est ça. Mais qui marche très très bien dans le jeu. Bien que j'aurais préféré que ce soit une compétence, tu sais, que t'actives avec un cooldown. Ouais. Ça aurait peut-être été mieux que ce soit automatique, un passif. C'est vrai, j'ai trouvé un bouton. C'est bien. Qui a ouvert la porte. Quel talent. N'est-ce pas? Parce que le truc d'avoir un passif, c'est que bah c'est passif justement. Et donc ça rend peut-être les... Tu vois, quand on est au combat, des fois, bah j'ai même pas peur quoi, tu vois. Ah oui, ça. Alors que ce serait un activable. Après, il est loin dans l'arbre de compétences, hein, déjà. Ouais, mais il est trop efficace. Ou alors, il est trop efficace. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Il y a beaucoup de tonneaux explosifs, hein. Ouais. T'es arrivé au même endroit que moi, ouais. Il était un peu planqué le petit chemin là, mais. Ouais. Il y a de la farine d'os ici. Sympa. Il faudrait un crochet. Ah, j'en ai plus. Moi non plus. J'ai tout utilisé. Tu arrives à la casser la porte? Je sais pas pourquoi il tape aussi. Bah voilà. Bah voilà. Hop. On a ouvert. Mais il n'y a pas de crochet. C'est faux le fait qu'il fallait un crochet. Il y a une masse pour toi. Waouh. Oh, de la pierre usée. Ah, on a fini la quête? On n'a rien fait. On n'a pas affronté de boss, rien. Attends. Ah bah si, regarde, il est là.
Ah oui, ils sont là. Attends, ils sont plusieurs là. Recule, recule, recule. Je vois rien. Ah, c'est bon. Lui, il est mort. C'est bon, il reste plus que le spectre. Aïe. Mort. Alors. Oh. J'ai vu le gros coffre. Ouf. Est-ce qu'on peut encore appeler ça un coffre? Je pense que l'arme, tu vas l'aimer. Ah ouais? Le nom envoie du rêve en tout cas. Ah. C'est ouais, alors par contre ouais, si ça a de la dura, ça a un petit peu de dégâts. Par contre les dégâts de l'embuscade brutale et vol de vie, ouais, à vérifier, pas forcément intéressant pour le build, mais jolie arme. Il y avait encore une porte là-bas. Bah ouais, t'es reparti où? Bah par là où on est arrivé. Bah ah. C'est la fin, y avait une porte de l'autre côté. Non, il y avait une porte de l'autre côté aussi. Non. Oui, c'est la fin. Ah bon? Ah oui. Temps pour moi. On va peut-être recharger ton temps si t'en as pas beaucoup. 4 minutes 50. Bon, ça devrait être suffisant. Cette porte-là, je l'ai ouverte. Ah d'accord. Ah bah ouais, c'est ça bon. Mène là où on a tout fait péter. Ouais. Ok. Ah oui, d'accord. Donc tu pouvais y arriver par un autre chemin. Ok. Donc il y avait des trucs à faire ici. Fallait tuer un boss. Voilà. Un boss naze. Oui. Il y a encore beaucoup de... Enfin, il y a encore. Bah non, parce qu'ils n'ont pas fait la mise à jour. C'est quand même chiant que ce soit toujours le même type de boss, souvent. Ils ont annoncé d'autres types de mobs déjà ou... Ouais, sur la mise à jour qu'on avait évoquée la semaine dernière, ils ont dit qu'ils allaient faire plus de boss, plus de mobs. Mm-hmm. Donc... Bien. Après, c'est toujours pareil. Ça veut dire quoi? Plus de boss, plus de mobs. Parce que techniquement... Bah, s'il y en a 3 en plus, c'est bien. Hein. S'ils en mettent un de plus, bah c'est plus, tu vois. C'est plus. Ils ont pas donné de chiffres. C'est plus. C'est ça. D'ailleurs, tu sais que ça a repris sur M6. Ah ? Ouais, avec... le magicien, là, humoriste. Eric Antoine, voilà. Merci. Magicien humoriste. Bah, c'est lui qui se définit comme un magicien tout humoriste. Tout à fait. T'as vu, il y a de l'ambre ici. Eh, il y en a un petit peu, ouais. Est-ce qu'on en aura besoin? Moi, je veux vraiment aussi qu'ils améliorent le système de gisement comme ça, qu'on arrête de récupérer de la pierre tout le temps. Waouh! Fais gaffe, il y a une petite crevasse. Et où? Vers moi, donc sud-ouest. Et où? À ta droite. Attention. Ah oui. Bébé. T'es pas tombé dans un de ces trucs là d'ailleurs? Si, carrément. Euh...
Moi, il faut que je rentre à la maison. J'ai plus de place dans mon sac. C'est ça, hein, de tout looter. Hein, Moi, je ne loot pas tout. Je fais farm. Je fais des courses. Déjà. C'est déjà pas mal, hein? Hein, voilà. Pas trop demander. Alors, est-ce que tu les fais en ligne ou est-ce que tu les fais... Ah non, jamais. Jamais directement, en ligne. Jamais en ligne. Directement au stade? Tout à fait. Je vais directement au magasin. En vrai, je fais très peu de courses en ligne. J'aime pas ça, les drives. Disons que nos grands-parents ont fait l'erreur de tous aller au supermarché. Ne faisons pas l'erreur de tous prendre des drives, si vous voyez ce que je veux dire. Et... Moi, je vais voir pour me diriger vers l'orée du bois rose, là. Qui dit bois rose dit potentiellement champignons rouges. Sauf qu'ils sont jaunes. Ouais, pareil. Même principe. J'ai des poivrons sur moi, je suis très content de le savoir. Mais... Et tu es content de savoir que j'ai des poivrons sur moi. Quoi ? Meurs. Bah non, j'ai pas envie de mourir, c'est bon. Ouais, moi, il est une méchant, petite fleur à moitié enterrée. Ah. Ah, on commence à avoir quelques flèches en cuivre quand même. Hein. On a 112. Hein. J'en ai encore un petit peu sur moi. Genre 4 ou 5. Hein. Au niveau de mes armes, ça donne quoi? 24, 17, 20. 33, oui. Ok. Démantelé. Voilà. 32. 44, ok. 32, 44. Il va revoir un peu tes maths. Hein. Ouais, hein, je sais. 37. Sauf que... Ah ouais. Ah ouais? Ah mais celle-là donc c'est de la merde. Hop, démantelé. Hop, Aïe. On se calme les chauves-souris. Voilà. Ok. J'ai trouvé une grotte à chauve-souris. T'as trouvé une grotte à chauve-souris? Très bien. J'ai feuilles de sauge. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Hop là. Je reviens. Mais où? Telle est la question. Je ne sais pas. Où es-tu? Dans une grotte avec des chauves-souris. Je crois savoir où est-ce qu'ils étaient. Mais c'est juste une grotte. Je crois savoir où ils étaient. Les écussons de fourrure, ça servait à quoi? Si t'en as deux ou trois, je sais plus, ça te fait de la fourrure. D'accord, donc ça sert strictement à rien. Bon, ça sert à avoir de la fourrure. Avoir un peu de fourrure, ouais. Parce que les chauves-souris, ça donne des écussons, mais... Donc du coup, d'après toi, ce serait complètement à l'est? Je me dis que c'est à côté, dans le désert. Où on avait parlé aussi de la zone qu'on avait survolé, là, le repos de Surat, tout ça, dans ce coin-là.
Bah là, je vais dans le creux de l'ombre, là. Que pour moi, c'était là-bas. Vu que c'est les nouvelles zones qu'on a débloquées. Non, pour moi, c'était pas dans les nouvelles zones, mais c'était dans les dernières qu'on ait visitées. Mais peut-être juste à l'ouest de la maison, tu sais. Enfin, à l'est de la maison, pardon. Dans la zone au sud du désert. Je sais qu'on en avait trouvé un ou deux au tout début du jeu. Ah ouais? Dans une zone, on bordait de la brume rouge. On en avait chopé un ou deux là. C'était des rouges ou c'était des verts? Des rouges. Parce que les premiers qu'on ait croisés, pour moi, c'était Mais en quand fait, on était parti chercher c'est pas les le. premiers qu'on a croisés, c'est quand on était revenu par à un moment, on avait réexploré. What? Yeah. J'ai esquivé de la brume rouge à peu de choses. Ah, ils sont là. J'ai. Ah. Et moi, j'ai des chèvres. Donc c'était bien là-bas? Bon, Ouais. bah je repasse vite fait par la maison du coup pour pouvoir aller vider un peu les poches et récupérer mon repas. T'as bien raison. Voilà, maximum 254%, on est déjà un petit peu mieux. Allez, 5 glandes d'ammoniac, 5. C'est joli. Si j'en tuais que 4 pour avoir les 20, moi ça me va. Ce qui va nous manquer, ce sera les ralapenos là. Les robonos, je sais pas quoi là. Les roubognos, ouais. Les roubignoles quoi. C'est ça. On est passé de ralapenos à roubignoles, tout va bien. Ah, comme n'importe qui l'aurait fait. Bah c'est ça. Et puis il y C'est a un tous ces champs. cheminement Vers un vers un but. but. Il y a tous ces champignons verts aussi. Alors, par contre, tu sais, il n'y en a pas 50 qui attendent au guichet, quoi. C'est pas la CAF ici, hein. Ça se voit. Cet homme. De quoi? Vous entendez déjà les raccourcis qu'il fait? Attends, quand tu vas dans l'administration française, que ce soit la CAF, la Sécu Oh, tout à fait. ou la NPE, enfin, Pôle emploi. Ah, il faut prévoir sa matinée, hein. Ah bah. Faut pas être pressé, hein. À la masse magistrale, ça va être du demain, ça m'intéresse pas. Je vais tester vite fait. Ce que donne la fameuse masse d'âme jumelle. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je l'apprécie, je la confisque. Elle est à moi. Elle est à toi? C'est si bien que ça? Elle est d'une rapidité d'utilisation, c'est impressionnant. Je vais tout de suite aller lui mettre un petit vol de vie, hein, parce que. Bah pourquoi pas? Pas déconner non plus. Voilà. Je sais pas si on aura besoin d'en tuer beaucoup de ces trucs-là. Les gros champignons verts là. Ils sont verts, ils sont bleus, ils sont rouges, ils sont quoi? Mais tu sais les champignons à la viande de champignons à la menthe là. Ah, la viande de champignon à la menthe, c'est vrai. Il y avait ça aussi. Est-ce qu'on en aura besoin de beaucoup? En plus, elle a une dura, cette masse, 280. J'apprécie grandement. Pas par là. Le sol rouge, ce n'est pas bon pour la santé. Ah, ça, c'est parce que t'as pas essayé assez souvent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par où tu descends jusque là? Tu remontes, tu prends la tour des anciens du plateau et puis tu redescends? Tout ça. Hein. Alors tu fais gaffe, Parfait. au niveau d'un accès, il y a deux tigres. Oh, tu sais, moi ça me fait pas peur, hein. Moi, je suis passé à côté. Ils m'ont pas vu. J'ai usé de stratégie. J'ai usé de la ruse. Ah.
Me dis pas que tu as couru. Non, même pas. Parce que courir, ça finit comme le verbe fuir. T'as vu qu'il y avait un truc différent, un biome désert un peu plus différent sur la gauche là, quand t'arrives là, donc vers l'est. Un truc qui ressemble à une termitière ou je sais pas quoi là. Ouais, un peu rouge là. Ouais. Ouais, j'ai vu, ouais. Dégoûté, j'en ai trouvé que deux. Je vais ressortir de la brume parce que... En vrai, le chrono commence à tourner. Ah, en voilà deux autres. Alors, je suis en bas, j'ai du mal à en trouver. Et là, je veux sortir de la brume, j'en trouve deux, quoi. Passage de la grotte Buka. Ok. Et deux de plus. Je vais être à une quinzaine de glandes d'ammoniac. Et ce type est heureux de glander. C'est ça, j'en ai 14 je crois. J'en ai 19. Ah, j'en ai oublié une dans l'histoire. Et il nous en faut 20. Et bah je les ai. C'est tout en bas, hein, on est d'accord. Hein. Ah oui, donc maintenant que j'ai sauté avec mon planeur, tu me dis c'est bon, on en a plus besoin. C'est ça. Parfait. Parce que j'ai été efficace, monsieur. Efficace. Alors par contre, j'ai pas compris, j'ai trouvé des glandes d'ammoniac par terre. Ah, c'est que ça s'est frité avec quelqu'un d'autre. Bah ouais, on aurait dit que... Tu sais, comme quand ça tombe des arbres, que c'était au sol. Mais il n'y a pas d'arbre d'ammoniac. Ça me paraît bizarre. Pas que je sache, non, effectivement. Un arbre d'ammoniac, ça me paraît bizarre. L'ammoniac, c'est pas trop compatible avec la vie, en fait. Oh. Oui, je sais, on fait de l'ammoniac naturellement, tout ça, mais... Généralement, les créatures vivantes, quand elles ingèrent de l'ammoniac, elles finissent toutes de la même manière. Tu te dirais, j'ai de la brume rouge, là. Oui, je voulais aller voir s'il y avait pas un truc à... Ah bah voilà. D'accord. J'en sais rien, il pleut des tigres. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Aïe! Elle est bien mortelle, hein, celle-là. En fait, il y a un pont juste au-dessus de moi, et quand je suis arrivé, il y a un tigre qui est tombé de ce pont. D'accord. Marre. À mon avis, il a pop au mauvais endroit. C'est ça, on l'a pas prévenu. Bah, en fait, c'est 3 steaks, hein. Quand il a pop, on lui a dit mets ta ceinture, et il a pas compris pourquoi. Appuie sur espace. Quoi? C'est ça. Ouvre le paravent. Le paravent. Oui, le paravoile. Oui. Paravent, paravoile, c'est pareil. Tout à fait. Les deux ne veulent rien dire dans ce cas-là. C'est des cousins bovins. Bon allez, Dovahkiin là-haut. Tu vas pas me dire que la mise à jour de 62 kilos, c'était pour nous empêcher de monter sur les pentes. Non, regarde, à la Skyrim là. Bon, ça me voit là, je suis pas enclumé. Du coup, maison. Et on voit ce qui nous manque, c'est ça? Ouais, il va nous manquer des étincelles. Ah merde, tu considérais embrumé. Ouais, si t'as un peu les pieds dedans, des fois il peut te considérer comme étant embrumé. J'ai pris une petite claque. Alors, on va se faire chier. C'est bon. Je me suis servi de tes épaules. Ah bah oui. On se repose toujours sur la femme dans un couple, hein. Ah bah oui, c'est sur ses épaules qu'on monte pour pouvoir
aller plus haut. Aller plus haut, pardon. Je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent même pas cette chanson. C'est probable. Nous disions donc, si j'en veux renforcer la flamme, les os fossilisés. Ça, je sais pas combien il nous en manque. 5. Je vais aller en chercher. Et il nous faut également 10 étincelles. Et les roubignoles qui poussent. Tu fais pousser tes roubignoles? Ah oui, elles ont bien poussé. Elles sont même récoltables. Ah oui, bah ça va vite alors. Et on les récupère 3 par 3, s'il vous plaît. Ah bah c'est bon alors. Dès que j'aurai réussi à sortir de ma brume. Je vais aller chercher les os. Hein. Vas-y. Alors, tour des anciens. Et ensuite, on fera le tour de la chapelle. Ah, merde. J'étais sorti de la brume. Voilà. Dommage. Non, c'est bon, j'ai pu remonter. Au moment où j'en avais marre de piocher, j'ai dit tiens, je vais sortir les grenades. Je remarque que je ne suis plus dans la brume. Ah. Non, c'est parce que j'ai décidé d'arrêter de tricher et d'arrêter de faire Dovahkiin. Ah bon ? Non. Une demande de viewer, ça au moins. Même pas. C'était une bêtise de ma part. Je continuerai à tricher, car la triche, c'est la vie. Voilà. Alors. Ah, il nous manque 7 étincelles. 7. Ouais. Elles sont où les autres étincelles? Elles sont là. Hop là. Ah oui, il veut pas les ranger parce qu'elles sont là, oui. Voilà. Alors. Hop. J'arrive à côté de toi parce que je sais qu'il y en a une. Il y a des étincelles pas loin. J'ai déjà, enfin, je viens de récupérer les os là. J'en ai 6. Hop. Ah oui, il y a la chapelle qui est là, c'est ça. Ouais, j'y vais là. Farpé, bah je vais me diriger vers une autre du coup. Ah non, c'est l'autre. Je me dirige vers celle qui est à l'ouest. Hop là. Je crois que c'est celle qui était enfermée dans une caverne avec laquelle on n'avait pas accès. Et 3 de plus. Bah, j'ai pas envie d'aller dans la capitale, ça m'énervait. Ouais, non, la capitale c'est pas nécessaire. Hein. Hop. Alors, je trouve ça toujours un peu abusé, moi, le truc des chapelles de la flamme qui se régénèrent. Parce que ça t'enlève un peu l'exploration, en fait. Te dire, ah tiens, je dois aller en chercher, toujours de plus en plus loin, des trucs comme ça. Je sais pas, moi ça m'embête un peu. Après, tout dépend du... Il faut en mettre suffisamment pour qu'on n'ait pas besoin d'aller en chercher ailleurs, quoi. Oui, non, on mais... On n'a pas besoin que ça repop. Voilà, c'est que t'en aies assez dans le monde, mais que, bah, il faille toujours aller de plus en plus loin, ce qui, dans un sens, donne plus de crédibilité au jeu. Même si, ok, les premières, elles te donnent une ou deux étincelles, et que les dernières, c'est à coup de 3 ou 4, mais bon. Disons que
Moi, la technique du tout repop, ça me... Voilà. M'a toujours un peu embêté, ça m'embêtera toujours, je crois. Surtout dans les jeux d'exploration survie. Mais comme aucun jeu n'est parfait. Disons que ce jeu-là est déjà très bien. Voilà. Tout à fait. On a connu pire. Bien pire, bien pire. En jeu d'exploration survie. Surtout en early access. Oui, oui, surtout en early access. Ok, moi j'en ai 5 là. Tu sais pas combien t'en as toi? Eh ben, je suis toujours en train d'aller essayer de choper l'autre parce que je dovaquine pour y arriver, mais... J'ai du mal à dovaquiner. Tout à fait. Je dovaquine moins bien ce soir. Mais il ne me reste que 50 mètres à parcourir. La voilà. Ok. J'en ai 3. Eh ben, si tu rentres, on est bon. Non, je ne rentrerai pas. Rentre, s'il te plaît. Et donc, on va améliorer encore notre flamme. Alors, je vais regarder. On a des points rouges ici. Ici, c'est rouge. Et au nord, là-bas, c'était rouge. On va voir s'il y a des zones rouges qui deviennent bleues. Là-bas. Hop, okay. Ça devrait être accessible. Il nous manque les eaux fossilisées. Ah, qui sont dans ma barre. Hein. Très certainement. Voilà. Voilà. Niveau 5. On peut encore la renforcer avec du soufre, du safran, chose qu'on n'a pas. Du minerai de fer, du lapis-lazuli, des frites de yucca. Et la faucille des déchus. Donc c'est ouais, clairement tout à droite. Bah il y a des chances. Hein. Ah bah la route vers la fameuse termitière est devenue bleue. Oh bah mince alors. Oh c'est surprenant. On ne l'aurait pas cru. Par contre la route vers le nord elle est toujours rouge. Hein. Ouais. Et donc c'est là qu'on a le fameux minerai de fer. Très bien. Alors, est-ce qu'on part directement explorer ce nouveau biome? Ou est-ce qu'on... Tu veux faire les... Oh, on a encore pas mal de petits trucs à droite à gauche. Hein. Bah là, il y a deux quêtes sur la gauche. Il y a deux quêtes qui sont, ouais, qui sont nord-ouest, là, perdu. À côté d'une maison, là. La recherche sur l'obélisque et puis un truc avec trois points d'interrogation, là. C'est ça. Et bah c'est... Bah, on peut aller faire ça. C'est exactement ce que j'étais en train de regarder. Ah bah écoute... Voilà. Et puis regarde, comme c'est du génie, eh bien c'est la fin de l'épisode. Tu te rends compte à quel point nous sommes bons ? Ah là là, on s'était calcul. Donné un objectif et il a été fait en une heure. Eh bien voilà, on vous souhaite à toutes et tous... Vous ne pouvez plus rien dire. C'est ça. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Salut.